C'est interdit de pleurer parce que moi je ne pleure pas. Moi je cause. On est d'accord? Vous voyez en ce moment, tous les tucuntus sont sur moi parce que il n'y a que quelqu'un qui est tucuntu qui peut me détester à l'heure-ci. Tu n'es pas tucuntu, tu ne peux pas me détester. En vrai, parce que moi je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien du tout. Comme là tout à l'heure, je voulais dire que j'ai très mal au corps. S'il y avait une chirurgie ou un traitement pour moi, j'allais aussi partir faire. Mais il n'y a pas. Tout ce que moi je peux faire, c'est prendre les Doliprane. Ah, maintenant vous riez comme si j'ai fait quelque chose. Hein? Je pourrais prendre tout ce que moi je peux prendre, c'est le Doliprane. Ce n'est que le Doliprane que moi je peux prendre là. Je ne peux rien prendre d'autre. Et si je dis, je rien t'ai, que la beauté de la femme, c'est son caractère. Allez taper sur YouTube Benji Bantéke. Vous allez entendre ça. Mais qu'est-ce que tu m'as fait pour que je t'aime comme ça? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Autant je meurs d'amour pour toi. Il y a un endroit où il dit que la beauté de la femme, c'est son caractère. Yo. La beauté de la femme, c'est son caractère. La beauté de la femme, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas de dire que je suis belle, je suis ceci. Non, la beauté de la femme, c'est son caractère. Maintenant, la beauté physique complète. J'ai envie de sensibiliser ce matin la jeunesse. Ne regardez pas ce que nous faisons sur la toile. Ne regardez pas ce que certaines mamans et certaines bobos font sur la toile. Ne regardez pas parfois ça. Ce n'est pas toujours la bonne voie. Même les grandes personnes, il y a des grandes personnes qui se font, qui sont influençables. Parce que moi, Maliba, on va m'insulter que, oh, tu as les gros yeux. Oh, tu as les fesses tordues. Oh, tu as le gros ventre. Je veux courir. Il y a pour tous les prix maintenant dans la chirurgie. Hein. Il y a pour tous les prix. Si on te dit que tu es grosse et que toi tu vois que l'homme avec qui tu es t'aime tel que tu es. Parce qu'il y a les hommes que si tu es grosse là, tu perds le poids. Il ne t'aime plus. Il ne t'aime plus. Il y a les hommes que quand tu es un gringa, il aime quand tu es un gringa. Si tu prends le poids là, il n'est plus là. Donc il y a pour tous les goûts. Il y a pour tous les goûts. C'est comme les femmes, vous voyez les femmes européennes là. Tu vas voir une femme, elle est formée comme un Joe. C'est le goût d'une génération, d'une certaine catégorie de Joe. Il y a les Joe qui ont ça mal. Il y a les Joe qui aiment les femmes qui ont les mollets. C'est-à-dire, est-ce que vous savez qu'il y a les femmes qui partent se faire refaire même les mollets? Il y a les hommes qui aiment les femmes qui ont les mollets. Il y a les hommes qui aiment les femmes comme mon petit frère était que Gabriel. Il aime les femmes qui ont le catérisout. C'est-à-dire, tu n'as pas ça. Sa femme sait que quand elle dort, on met une gringala. Elle va dormir sans même bouger son coin. C'est que mon mari ne peut pas passer ici. La nourriture que mon mari a mangée, c'est ce genre de nourriture. Imagine alors que la nourriture que son mari a mangée, elle n'est pas enlevée ça. Parce que je ne comprends pas souvent des femmes. Tu peux faire 40 ans de vie de couple, de mariage. Du jour au lendemain, tu pars enlever tout ce que ton homme a aimé sur toi. C'est-à-dire, tu deviens une autre personne. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avec certaines personnes.
Je ne juge pas les personnes qui font dans la chirurgie. Tu peux faire la chirurgie. Tu peux te faire plaisir. Mais ne faites pas comme si c'était un truc de je sais pas. Un truc qu'il faut venir faire la propagande, un jar. Et si vous avez remarqué, la plupart des personnes qui se font refaire là, je vois ici à Pigalle là-bas là, tous après ressemblent au travelot. C'est-à-dire comme si c'est que tous se ressemblent. Mon frère, si moi on me donne les dos là, on me dit que va refaire la bouche ou le nez ou les dents même. Gars, je vais chercher, moi, acheter un petit terrain quelque part. Hein. En vrai, moi, on ne peut pas moi faire que moi, il n'est pas moi où dormir. Je n'ai pas. Non, et que je vais mourir demain, on va faire mon deuil. Non, 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 non. Donnez-moi les dos là, je m'en vais acheter un petit terrain quelque part. Au moins, on va mettre les bâches pour venir me pleurer là. Non, il faut dire, parlons peu, parlons bien. Je ne peux pas moi accepter que vous partez me faire les. On me donne l'argent, moi, il m'a fait les chirurgies. Le problème, c'est que. Qu'est-ce que j'ai comme complexe sur moi? Attendez, je vais vous dire. Ma taille. J'aurais aimé être un peu plus grande. Est-ce qu'on peut. Il y a la chirurgie pour la taille. Non. Il n'y a pas. Il n'y a pas la chirurgie pour la taille. Il n'y a pas. Nous sommes sur la toile. J'ai un point que j'ai envie de parler. Donc, je suis en train de vous attirer d'abord que vous venez parce que je veux parler de ça. En attendant, je parle d'abord de la chirurgie. La chirurgie, là. Quand on dit chirurgie réparatrice, c'est que tu as quelque chose que tu vas aller réparer qui n'était pas bien. Ceux qui font la chirurgie, ce sont ceux qui viennent de se pavaner ici sur mon truc. Tu fais la chirurgie. On ne refuse pas. Vous pouvez faire la chirurgie. Si on pouvait faire la chirurgie pour être grande, moi je l'ai fait. C'est ça que moi j'allais faire. Pour avoir la taille de Naomi Campbell. Ma fille Canaël. Je vois, je vais entrer au but de mon sujet. Hein. Ça, c'était juste pour chauffer un peu les bancs, la salle.